Eh bien bonsoir à tous, c'est Sport Virtuel Roleplay. Une nouvelle vidéo commence donc. Olympique de Marseille, Lokomotiv Moscou. C'est donc le match de la cinquième journée de cette Ligue des Champions, l'OM face au Lokomotiv Moscou. Alors les gars, juste vous dire le classement rapidement. C'est que le classement pour l'instant, City 10 points, Séville 7 points, l'OM et le Lokomotiv Moscou donc à égalité 3 points. Et donc vont se battre pour l'UEFA Europa League. Et ce match donc est un match très très important pour l'Olympique de Marseille, bien évidemment, dans la quête de la qualification pour l'Europa League. Une qualification pour la Ligue des Champions reste possible, mais il faudra s'imposer et espérer, de l'autre côté, une défaite du FC Séville. Voilà donc, City et Séville, c'est dans le même temps de ce Marseille Locomotive. Donc si l'OM s'impose, l'OM sera assurément qualifié pour l'Europa League ou les huitièmes de finale de Ligue des Champions en cas de défaite de Séville ce soir. Voilà, il faudra répéter les beaux gestes du match aller et cette victoire 4 à 2 en Russie. Vraiment, c'est tout ce qu'il faudra faire pour les Marseillais ce soir face à des Russes qui vont essayer bien évidemment de jouer leur va-tout pour se qualifier. Ce ne sera pas simple pour les Marseillais, même à domicile, même au Vélodrome. Dans ce match, il faudra être concentré de la première à la 90e pour les Marseillais. Et en tout cas, je vais vous laisser avec l'ambiance UEFA Champions League de la rencontre. Et allez, c'est parti, il faudra une deuxième victoire pour l'Olympique de Marseille. Et c'est parti, le coup d'envoi a été donné. L'OM face au Lokomotiv Moscou. Les Marseillais qui vont donc essayer pour marquer 6 points dans ce groupe et pour rejoindre au moins, j'ai bien dit au moins, l'UEFA Europa League. Bien évidemment, une défaite serait terrible pour les Marseillais puisque le Locomotive repasserait devant en classement de ce match. Exactement, exactement. Vraiment, les enjeux sont très importants dans ce match pour ne pas finir dernier de ce groupe. Hein. Surtout que le Locomotive Moscou compte aux 3 points et ces 3 points, ils ont acquis contre Séville lors de la quatrième journée. Et cette victoire improbable, victoire 1 à 0 des Russes sur la pelouse de Pichuan lors de la, donc c'était il y a une semaine, non non il y a quelques semaines, c'était avant la trêve plutôt, lors de la troisième journée. Et le premier ballon récupéré par Camara qui a donné directement à Payet. Et les Marseillais maintenant qui vont essayer de faire quelque chose avec ce ballon. Et le ballon. Bon, attention, l'erreur des Russes, mais c'était dégagé par Ribus. Attention, Ribus, et voilà, le ballon donné à Eder. Eder avec Mankiev. Mankiev qui va accélérer. Et attention, hein, les Russes là qui vont rentrer dans la surface, autour de la surface marseillaise. Alors attention à Mavi sans faire de faute. Pardon, c'est plutôt Sakai qui récupère ce ballon. Bonne récupération là, dire qui Sakai, même s'il a pris derrière. Les Marseillais perdent le ballon. Murillo maintenant côté locomotive pour essayer de revenir. Lizakovic. Lizakovic, attention, qui a donné directement à Nizatov le sang de Nizatov pour le ciseau! Deder, mais c'est au-dessus. Et après les premières minutes de ce match, les Marseillais donc. Et les Russes ont montré quelque chose. Les Marseillais le doivent aussi. Et attention avec Zé Louis.
Avec Dizakovic. Dizakovic, attention. Va-t-il centrer Dizakovic? Il a donné Zé Luis en charge de Porto. Le centre! Et Mandanda qui va le capter! Bien joué là, Mandanda! Sur Zimeletnikov, j'arrive pas trop à prononcer son nom. Zmaletindov, voilà, c'est Zmaletindov plutôt. Et maintenant la contre-attaque avec. On est déjà reparti de l'autre côté avec Florian Thauvin. Florian pour le centre. Et attention, Benedetto derrière! Oh, et la parade! Et l'arrêt! Quel arrêt là! De. C'est Guilherme, mais c'est pas terminé avec Bouba Camara et ce sera. Repris pour aller joueur du locomotive. Istov. Zeluis. Lizakovic. Et là maintenant non, ça repart là côté russe. Attention. Avec Listov le centre sur la tête d'Eder. Et l'ouverture du score. Et maintenant, déjà, après 20 minutes de jeu, c'est Eder qui vient inscrire le premier but sur ce centre. Oh là là, le premier but pour les joueurs. Du locomotive. Aïe 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 aïe. C'est la mauvaise entame pour les Marseillais. 1-0 pour l'OM. Ça démarre très très mal. Ça démarre mal vraiment. Ah oui. Ça démarre mal vraiment cette rencontre. Alors ça avait démarré sur un rythme, sur un bon rythme. Hein. Il y a des occasions des deux côtés. Mais là cette tête. Hein. Cette tête de. D'Eder. Bon, on va voir, regardez. Il accélère et l'attaque. Il donne ce ballon. Tac. Alizine. Alistov. Qui centre. Et là, Eder, voilà. Alors, il voit qu'il est pas bien positionné. Il essaie de la prendre du mieux qu'il peut, ce ballon. Mais il la prend bien. Ça fait but, franchement. Mais c'est bien joué hein, de la part du Portugais. Et donc, le Locomotive se retrouve devant. Le Locomotive mène 1-0 face à l'OM. Tout est à refaire maintenant pour les Marseillais. Il faut vraiment. Essayer de marquer là, parce que là ce serait terrible que de voir l'OM se faire éliminer. Et oui, bien sûr, là faudra maintenant se montrer plus costaud pour essayer de sortir la tête de l'eau. Le centre a été repoussé et dégagé ensuite. En touche par les joueurs du Locomotive. Sakai maintenant pour la touche. Et il va jouer la touche là avec Valentin Rongier. Rongier qui renverse sur Dimitri Payet. Et Payet en touche. Zingolatov, Zeluis, Lizakovic, Ilivakovic, attention qu'il a touché beaucoup de ballons, et là il va la donner à Eder, le buteur du soir, et le petit 2 entre le Biélorusse et Zeluis. Zeluis qui va perdre le ballon, alors j'ai confondu plutôt Zeluis et Eder. La touche pour l'ancien joueur de Porto. D'ailleurs, Lizakovic, le centre, deuxième centre, mais Kalaitachar est dessus. Mais attention! La frappe! Ce sera à côté! Ce sera à côté pour genre du locomotive. Et attention, genre les Marseillais, il va rester. Quel gars, les gens du locomotive, faut pas les laisser jouer, vraiment, faut pas laisser avoir des occasions. Ces joueurs-là, Eribus qui récupère avec Eder. Attention à Eder. On l'a Eder, ouais, qui a perdu le ballon face à Rongier. Et les Marseillais qui vont contre-attaquer là avec Florian Thauvin. Florian Thauvin qui va accélérer. Attention au numéro 26 Marseillais, le centre avec la tête. Mais c'est capté par Guilherme. Et attention. Et maintenant, ils vont se dégager, les joueurs du locomotive. Lizakovic. Listov. Attention à Listov. Avec Zingliad. Dov, il y a Dov qui va centrer, mais là il sera contré. J'ai enfin réussi à bien prononcer son nom. Et en attendant, ce sera un corner que va frapper Ribus. Ribus s'est repoussé par la défense marseillaise. Et attention. Oh, attention. Et là maintenant, la défense marseillaise récupère ce ballon. Et pour Mandanda. Et attention maintenant, les Marseillais là. Ils vont essayer le renversement sur Thauvin. Et maintenant Thauvin, Camara. Oh, il va lui remettre. Pas de position d'hors-jeu là pour Florian Thauvin, mais Thauvin n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon là. Ouais, c'est vrai que Thauvin là, il n'a pas été. Mais il n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon et c'est un peu dommage. Hein. Oui, c'est vrai que c'est dommage.
de la part de Florian Thauvin que de ne pas garder ce ballon. Mais en tout cas, le ballon a été récupéré. Camara, oh, quelle passe Camara là. Camara avec Benedetto. Benedetto avec Rongier. Qu'est-ce qu'on va faire Valentin Rongier là. Il va donner à Thauvin qui va centrer sur Payet. Mais ça a été dégagé par plusieurs joueurs. Ah non, ça a été Payet qui l'a sorti. Ce ne sera pas un corner. Plutôt surprenant. Plutôt surprenant que de voir que ce ne soit pas un corner pour les Marseillais. Et maintenant, avec Morgan Sanson. Sanson qui va perdre ce... pardon, c'est plutôt Cuisance qui va perdre ce ballon. Et les Marseillais qui ont essayé de s'organiser en défense là. Et attention à Zélouis. Zélouis qui va donner à Listhoff. Listhoff le centre sur la tête d'Eder. Mais ça a été dégagé par Kaleta Char. Et bonne défense de la part des Marseillais. Et Alvaro Gonzalez qui a peut-être essayé de relancer l'OM. Allez, on approche la mi-temps. À ma vie. À ma vie, il faut lâcher ce ballon là. On n'a pas de passe comme ça là. Attention. Heureusement, Alvaro Gonzalez prend ce ballon. Mandanda allonge sur la tête de Thauvin. Mais Thauvin ne trouve pas Benedetto sur cette tête. Oui, c'est vrai que là, c'est compliqué là. De ces ballons balancés là comme ça. Et les Marseillais qui voient qu'ils n'ont plus quoi trop faire. Quoi trop faire de ce ballon. Mais attention avec ce centre. Oh là là là. C'est passé au-dessus et ce sera la mi-temps derrière. Et ben là, le Lokomotiv Moscou met donc 1-0 face à l'Olympique de Marseille. C'est pour l'instant pas du tout le résultat attendu ni rêvé pour les gens marseillais. Sur Virtufoot, voilà, sur Virtufoot. Donc pour l'instant, on a donc les Marseillais et les joueurs du Lokomotiv qui sont donc... oui. Non, alors c'est pas non plus une partie égale. Les gens du Lokomotiv ont commencé timidement ce match. Les Marseillais aussi. Donc du coup, on est tombé dans un faux rythme au début. Mais ensuite, dès que Lokomotiv a marqué, c'est Lokomotiv qui a pris le jeu à son compte. Et qui s'est procuré plusieurs occasions. Et ils auraient pu faire 2-0. Voilà, on était plus proche du 2-0 hein, en fin de première période que du 1 partout, tout simplement. Donc on a vu quand même des Marseillais qui n'ont pas non plus été... on voit les mêmes Marseillais qu'on a vu de tout au long de la compétition. Hein, des Marseillais, alors pas forcément douteux, mais des Marseillais quand même qui ont... qui leur manque cette chose, qui sont assez imprécis. Voilà, c'est du détail qui leur manque aux Marseillais. Alors on espère qu'en seconde période, bien évidemment, que ce détail, ils l'auront, parce que franchement, c'est vraiment très encourageant ce qu'ils font. Mais bon, à force, faudra pas dire que ça, hein, franchement, pour les Marseillais. À force, faudra améliorer, hein, parce que contre City et Séville, c'était encourageant. Mais là, maintenant, ce soir, pour un match aussi décisif, il faut, faudra être au rendez-vous, faudra être présent pour les 11 joueurs. Donc, vraiment, pour la seconde période, je suis assez optimiste hein, pour les Marseillais à l'idée d'aller chercher une victoire. Même si, même s'ils sont menés. Donc, Marseille est mené 1-0 face... au Lokomotiv Moscou, match très décisif pour l'OM, puisque en cas de victoire, l'OM sera à minima sûr de jouer la Ligue des Champions, même si pour l'Europa League, même si pour l'instant, ils auront 6, donc du coup, le classement c'est que le Lokomotiv Moscou compte 3 points d'avance sur les Marseillais, mais c'est surtout parce qu'il faudra gagner contre Séville la semaine prochaine, et c'est ça que veulent éviter les Marseillais. Et oui, et surtout que pour l'instant, Séville mène hein, sur la pelouse de City. Voilà, les échos, on les a, c'est que oui, Séville mène. Et on repart sur la pelouse du Vélodrome. Marseille Lokomotiv, 1-0 pour les Russes. Qui vont essayer d'enfoncer le clou et de se procurer les mêmes occasions. Alors, pas forcément les mêmes, mais de se procurer d'autres occasions pour essayer de... marqué deuxième but, et bien sûr les Marseillais vont essayer de revenir, de pourquoi pas renverser la tendance pour se qualifier à minima pour l'Europa League, pour être au moins reversant en Europa League, parce que pour l'instant avec ce score de 1-0, le Lokomotiv est juste devant, mais le Lokomotiv, faut pas oublier que le Lokomotiv recevra Manchester City pour la dernière journée. Et oui, alors là on va voir maintenant les premiers ballons hein, des Marseillais, même si là le ballon a été perdu, on va voir comment ils vont se comporter. Oui, et attention avec ce ballon, ça a été repoussé, oh, dégagé de la tête
Par à ma vie, ce serait un corner en faveur du locomotive. Allez, faut pas les laisser jouer là, genre du locomotive. Premier corner obtenu par les Russes. Hein. Il va être frappé ce corner. C'était dégagé de la tête. Et attention, avec. Oh là là. Oh là, la récupération de Benedetto. Et on rappelle aussi que Benetton avait mis 4 hein, contre Locomotive lors de l'aller. Même si la Dimitri Payet. Attention à Dimitri Payet qui va courir. Qui va essayer de s'échapper. La Dimitri Payet, le centre, il a été contré. Et ça sera récupéré par les Russes. Ouais, là, c'est vrai que c'est dommage là, de ces centres là qui n'arrivent pas. Eider. Oh, attention. Oh là là. Le ballon donné là, comme ça. Et maintenant on va donner à. Oh oui. Attention, attention à ma vie, faut pas commettre les mêmes fautes. Le centre vers Eder! Oh la transversale! Oh la barre transversale qui va sauver les Marseillais! Et ensuite c'est dégagé par Khaled Tchar. Quelle occasion là pour le Locomotive de reprendre l'avantage sur cette frappe et il y aura une faute. Il y aura un coup franc. Coup franc pour le Locomotive. Quelle occasion là! Oh là là, c'est vrai que. Attention, le contrôle d'Eder. Oh, attention, hein, le centre vers Zé-Louis. Il est pas hors-jeu, Zé-Louis! Et le poteau! Oh là là, le poteau! Et Sakai qui va dégager. Quelle occasion là pour Locomotive. Ça fait déjà deux montants touchés par les Russes. Il démarre très bien cette seconde période là. Ouais, mais là, faut vraiment faire front là côté marseillais. Parce que franchement, ces deux occasions, ben. Ça fait très mal pour les Marseillais. Il faut franchement revenir là et là pourquoi pas avec Benedetto. Il s'était contré par Corluca cette frappe mais c'est pas terminé. Florian Thauvin sans faire de faute, il va pas récupérer ce ballon à Ribus et bah passe en retrait vers Guilherme mais qui va essayer de relancer les joueurs du Locomotive. Et maintenant l'accélération de Zé-Louis. Et qui va perdre ce ballon et ce sera Alvaro Gonzalez qui va récupérer ce ballon. Morgan Sanson. Donc qui a pris la position de 8 ce soir. Hein. Et qui a été remplacé. Qui est rentré à la mi-temps. Et la frappe de Benedetto pour l'égalisation. L'égalisation. Villas-Boas. Le coaching gagnant. Puisque sort Morgan Sanson. Est autant à cette passe décisive. Qui permet à l'OM d'égaliser un partout entre Marseille et Locomotive. Oh là là, quel but! Et oui, vous l'avez dit, le coaching gagnant de me Sanson qui fait cette passe verticale là vraiment. Elle fait cette passe plutôt horizontale, vraiment. Elle fait presque tout le terrain, elle traverse presque tout le camp du Locomotive et ensuite, comme un vrai avant-centre, hein, Dario Benedetto qui contrôle ce ballon et qui pivote, hein, qui vote pour se mettre en bonne position et là qui frappe. Et là qui frappe et qui la met presque hors de portée de Guilherme. C'est bien joué là, c'est très bien joué de la part de Benedetto. Et là ça permet aux Marseillais de reprendre une bouffée de confiance là avec ce but. Et oui, les Marseillais reprennent la confiance avec ce but. L'égalisation un partout entre l'OM et le Locomotive. Et ce match pour l'instant tourne à l'avantage des Marseillais, mais attention! Avec cette frappe repoussée par Mandanda. Et ce match nul, ça ne serait pas un si mauvais résultat. Hein. Pour l'OM, quand on sait ce qui se passe en ce moment, même si. Alors. Les joueurs de Séville sont à égalité, mais. Séville domine hein, de l'autre côté à City. Et la touche, ça va sortir en touche. C'est vrai que là. Ce résultat n'est. On peut pas être mécontent de ce résultat parce que franchement, Manchester City et Séville font jeu égal et surtout Séville. Séville montre un joli visage hein, à l'Etihad Stadium. Et pour l'instant, l'OM aussi, même si, voire, franchement, Locomotive s'endort un petit peu. C'est vrai qu'il s'endort un petit peu les joueurs du Locomotive. Mais là, franchement, là, attention à Benito avec Thauvin. Et ça va revenir, je vous coupe parce que là, ça revient. Parce que regardez, Rongier s'approche de la surface, là. Valentin Rongier, mais il s'est fait reprendre ce ballon. La contre-attaque va être menée par Zé-Louis et Eder. Ils sont deux devant. Et Eder n'arrive, et cette passe n'arrivera pas au Portugais. Et alors, Gonzalez avec Bouba Camara. Boubacar Camara qui a du champ là hein, devant lui là
avec Morgan Sanson. Thauvin qui a trouvé Florian Thauvin. Ça ne sortira pas en touche, attention là. Florian Thauvin. Oh là là, attention, attention là, Thauvin. Ouh, c'est dégagé ensuite par les Russes là. Ouais, Thauvin, il aurait pu peut-être pu réobtenir un penalty, hein, comme lors de l'aller. Même si peut-être en a raté un. Hein. Le centre s'est repoussé par le gardien, par Guillermé. Ce sera un corner. Allez, Florian Thauvin pour frapper ce corner. C'est frappé. Et attention. Oh là 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 là. Attention les Russes là. Ouais, c'est un peu cafouilleux là tout ça. Mais c'est dégagé. Alors ça a été repris par les Russes. Hein. Ouais, ça a été redonné par Sakai. Qui redonne le ballon aux Russes. Mais Rongier mène l'attaque marseillaise là. Allez. Allez, le ballon. Avec Eder. Oh là là, le ballon, oh allez, oui, attention avec Zélouis! Oh là là! Oh là là, c'était joli là ce qu'ils ont fait les Russes. Mais ça passe à côté, et heureusement pour les Marseillais. Ouais, on peut prendre ça pour un sursis là, pour les Marseillais, parce que quand même, hein, les Marseillais ont des occasions, hein, mais elles sont pas très franches ces occasions. Et oui, à ma vie. Oui, mais alors que les Russes, elles sont franches leurs occasions. Mais ce renversement d'Amavi sur Thauvin. Valentin Rongier qui est trouvé maintenant. L'ancien Nantais qui va donner à Benedetto. Mais ce ballon n'arrivera pas dans les pieds de l'Argentin. Et maintenant la contre-attaque avec Eder. Et ça sera récupéré par Kaïtachar. Florian Thauvin. Thauvin. Benedetto. Dario Benedetto qui a retrouvé en position de frappe, mais c'est dégagé par la défense russe qui est en souffrance. Hein. Les Russes qui ne font que défendre maintenant. Hein. Et il va rester 2 minutes à jouer. Le Lokomotiv et l'OM n'arrivent pas à se départager. Un partout. Mais ce point fait un peu les affaires des Marseillais avant le déplacement à Séville. Ouais, mais c'est vrai, mais attention, faut pas se prononcer trop vite là. Hein. Et attention, oui, parce que le ballon est perdu. Et attention, oui, la contre-attaque. Mais on voit qu'ils sont que deux en attaque, hein, les Russes. Voilà, Zélouis qui ne donne pas son ballon. Franchement, ils peinent un peu, les Russes, à construire leurs attaques. Oui, c'est vrai. Et on rentre dans les ultimes minutes. Dans les ultimes minutes avec Florent Thauvin. Thauvin le centre pour Benedetto! Oh, le but! Le doublé de Dario Benedetto! Pour l'OM! Et bien voilà, la victoire! Et bien pourquoi pas? Pourquoi pas pour l'OM, victoire et un soulagement pour l'Olympique de Marseille! Grâce à ce but, l'OM évitera la quatrième place avec quatrième place de ce groupe. L'OM va s'imposer dans ce match. C'est sûr désormais, grâce à ce but de Dario Benedetto. Oh oui, là, il va faire du bien ce but. Il va faire énormément de bien, mais on revoit Payet qui joue très bien sur ce centre. Et là, regardez Benedetto de la tête qui vient finir. Oh là là, quel but, quelle action, et c'est terminé. C'est terminé. Mais oui, c'est fini, victoire de l'OM 2-1. L'OM sera assuré, mesdames et messieurs, sera assuré de jouer l'Europa League, puisque le FC Séville s'impose contre Manchester City. 2-1, donc ça fait 2-1 de l'autre côté. Et donc cela fait que l'Olympique de Marseille sera assurément en Europa League et ne pourra pas ce qu'elle fait pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et élimine donc le Lokomotiv Moscou, puisque je vous rappelle que le critère de départage en Ligue des Champions, le premier critère, c'est donc les confrontations directes. Et les Marseillais qui ont gagné à Moscou et à domicile ce soir s'assurent donc la place de troisième au minimum. Et donc ça a été une belle soirée pour les Marseillais, franchement. Une jolie victoire qui permet donc à l'OM de s'imposer 2 buts à 1 face aux Locomotives. Et donc les Marseillais qui vont donc jouer un dernier match où Villas-Boas pourra faire tourner son effectif, puisque les Marseillais joueront contre Séville, mais ce match n'aura plus d'enjeu, donc, puisque Séville s'est imposé à Manchester City. Donc un match qui sera sans enjeu. Et pareil, même si le seul enjeu pour le FC Séville, hein, du coup, par conséquent pour le FC Séville, sera la première place, puisque les Sévillans
se sont imposés, je vous le rappelle, contre Manchester City. Voilà, donc on va boucler cette soirée Ligue des Champions. Alors, justement, par rapport à la rencontre contre City, je vais vous montrer rapidement les images de ce match entre Séville et Manchester City, les trois buts de la rencontre. Et oui, donc ça commence en première période avec ce but, après cette frappe contrée. C'est le but de Mounir qui permet à Séville de mener 1-0. Ensuite, les Citizens en seconde période, en début de seconde période, vont égaliser grâce à un but de Ferran Torres sur ce centre de Zinchenko. Un partout. Et ensuite, le 2-1 sera inscrit par Nseri qui avait marqué un but contre Marseille, donc qui permet à City de marquer le but du 2-1 et de s'imposer et de se qualifier, surtout pour les Sévillans. Donc Séville sera qualifié pour la prochaine phase de la Ligue des Champions, parce que les Sévillans comptent 10 points comme Manchester City, Marseille en compte 6 et Lokomotiv ferme la marche avec 3 points et sera définitivement éliminé de la Ligue des Champions. C'est officiel maintenant. Donc voilà, donc je vous ai tout dit. Alors prochaine vidéo, l'Olympique de Marseille, on va bien sûr les retrouver très rapidement dimanche prochain. Oui les gars, dimanche prochain, il y aura le Classico Roleplay, donc le Classico de la 13e journée. Donc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, et bientôt le Classico en rugby, entre le Stade Français et tout, entre Toulouse et le Stade Français, ça c'est un match en retard, mais ça c'est notre histoire. Donc moi les gars, donc je vous dis à la prochaine, c'était Sport Virtual Roleplay, et moi je vous dis, ciao.